séance de TD, vous êtes un inconnu, vous une des matières fondamentales au monde. Donc, comme vous le savez, vous allez aujourd'hui m'apporter sur l'ostéoarthropologie du monde supérieur. Alors, d'habitude, on fait plusieurs séances concernant l'ostéoarthropologie, mais là, on est obligé de raccourcir un petit peu et de faire l'ensemble de l'ostéoarthropologie du monde supérieur en 2 heures. L'ensemble de l'ostéoarthropologie du monde inférieur en 2 heures, ce qui est très difficile. Mais, étant donné que vous avez déjà, en tout cas j'espère, visionné toutes les vidéos et que vous avez préparé vos cours, ça peut se faire en 2 heures. On peut parcourir les différentes en tout cas, difficultés que vous avez. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous demanderai de poser des questions pour répondre à toutes vos difficultés. J'espère que vous avez utilisé le site. Monde se connaît, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de difficulté par rapport à ça. Vous pouvez visionner les vidéos, vous avez le texte, vous avez tout ce qu'il faut. Mais oui. Est-ce que quelqu'un a une difficulté quelconque par rapport à. C'est-à-dire une difficulté dans les techniques pour l'utilisation du site d'anatomie. Il est récent, il a été fait pour vous. C'est la première convention qu'il utilise. Donc, vous essayez de classer les cours de façon correcte. Vous avez tout, vous avez le texte, vous avez les vidéos, les dissections et les QCM coïn. Avec ça, vous pouvez normalement travailler votre anatomie parfaitement bien. C'est bon? Voilà, donc on va commencer aujourd'hui. Comme je vais parler beaucoup, je vais me permettre de tirer le masque. Je vais parler pendant 2 heures, ça va être difficile. Par contre, si vous voulez, on va essayer de garder une circonstance. Comment on va procéder? On aura à faire ensemble de l'ostéoarthropologie du monde supérieur. On va commencer au verre et pour organiser un petit peu les choses et pour essayer de finir en 2 heures. Je vais moi-même commenter, n'est-ce pas, et décrire les os et les articulations. Certains d'entre elles, voilà, ça dépend du temps, ce qui va suffire ou pas. Mais, ce que vous avez déjà préparé, parce que les TD, c'est ça, les TD, il faut préparer avant de venir. Une fois que j'aurai décrit l'os, l'articulation, je vous donnerai l'occasion de poser vos questions, je répondrai aux questions, après ça va être à moi-même de poser les questions. D'accord? On fait comme ça, c'est interactif. On est en famille, entre amis, c'est pas un examen, c'est juste pour que ce soit interactif et qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous avez. On va utiliser pour cela. Les maquettes, vous voyez ici un squelette démonté, démonté. On a aussi des pièces démontées que je ferai passer pour que vous puissiez les palper tous. Et puis de temps à autre, on utilisera un logiciel en 3D pour expliquer d'éventuelles choses non comprises. Donc voilà, on va commencer finalement par l'étude du squelette du membre supérieur. Le haut vers le bas. Vous avez, quand on parle de membre supérieur, on l'appelle membre supérieur, on l'appelle aussi le membre thoracique. Le membre thoracique parce qu'il est attaché au thorax. Le thorax, c'est ce que vous voyez là, là on voit la cage thoracique faite du sternum au milieu et des côtes. Et le membre supérieur, c'est toute la partie, bien entendu, qui est accolée à au thorax. Ici le membre thoracique. Son squelette, comme vous le savez, est formé de plusieurs os. Et il fait partie du squelette dit appendiculaire, par opposition au squelette axial, qui est lui fait de la colonne vertébrale, du sternum, des côtes, et bien entendu du squelette de la tête, qui n'est pas mis en place sur cette maquette. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est le squelette appendiculaire du membre supérieur. Qui est fait de plusieurs os. On va essayer de les indiquer. Vous connaissez la clavicule, puis bien entendu la scapula, n'est-ce pas? Puis l'humérus. Donc ces deux premiers os vont constituer ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. D'accord? La ceinture scapulaire, c'est la ceinture, c'est comme une ceinture qui va rattacher le membre au thorax. Donc clavicule et scapula vont rattacher le membre au thorax. Puis, vous avez l'humérus, c'est le squelette
et le radius situé latéralement. Puis, vous avez le squelette de la main avec ses trois constituants, le quart, le métacarpe et les phalanges. Donc nous allons commencer à décrire ces différents os en allant de haut vers le bas, on commencera par la ceinture scapulaire, et puis l'humérus, puis bien entendu les os avant-bras et les os avant. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ou des difficultés particulières sur lesquelles vous voulez qu'on insiste? S'il vous plaît. Bon, le coup est interactif, ça passe mieux. Pas le coup magistral, c'est censé être un TD. S'il vous plaît, il faut que vous posiez les questions, toutes les questions que vous voulez. Aujourd'hui, c'est pour poser des questions. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce que vous pourriez les voir chez vous? Visionnant les vidéos que vous avez des difficultés, je ne sais pas, vous pouvez dire par exemple que c'est l'orientation des os qui vous pose problème, ou alors la nomenclature, ou je ne sais pas. Quelles sont les difficultés que vous avez, s'il vous plaît? Aucune difficulté? Il n'y a pas de difficulté, non? Pour répondre à cette question, est-ce que c'est une clavicule droite ou
plus clavicule gauche, il faut utiliser toutes les données anatomiques qu'on a. Il faut l'orienter par rapport aux trois plans. Par rapport au plan sagittal, au plan horizontal et au plan frontal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut répondre à trois questions. La première question, c'est qu'est-ce qui regarde en avant et qu'est-ce qui regarde en arrière. La deuxième, qu'est-ce qui doit regarder vers le nord et qu'est-ce qui doit regarder vers le dedans. Et la troisième, c'est qu'est-ce qui doit être placé vers le haut et qu'est-ce qui doit être placé vers le bas. D'accord? Donc il faut répondre à ces trois questions. En répondant à ces trois questions, on peut à coup sûr savoir est-ce qu'il s'agit d'une clavicule droite ou d'une clavicule gauche. Si on ne répond qu'à deux questions, ce n'est pas suffisant. Et on va faire cet entraînement ensemble. Je vous fais passer la clavicule, bon, juste pour la toucher et savoir à quoi elle ressemble. Vous faites passer, s'il vous plaît, on n'en a pas beaucoup. Vous faites passer, vous la touchez, vous la palpez, vous essayez de voir comment elle est faite et vous faites circuler. D'accord. Donc, je disais que pour l'orienter, on va utiliser les trois plans de l'espace. Donc, tout d'abord, il est posé là. Je veux savoir est-ce qu'il est droite ou il est gauche. Alors, je vais donc. Répondre à la première question. On voit ici que c'est un os qui est allongé et qu'il y a deux extrémités. Une extrémité qui est aplatie et une extrémité qui est arrondie. L'anatomie me dit que l'extrémité aplatie doit être placée vers où ? Vers le nord. Très bien. Donc je vais essayer, je vais supposer que c'est une clavicule gauche et je vais placer cette extrémité vers le nord. Est-ce que ça marche? Ça marche. Je vais essayer là de la passer à droite. Est-ce que ça marche? Si, ça marche aussi. Voilà, je n'ai fait que tourner. L'extrémité aplatie, elle est là. L'extrémité arrondie, elle est là. Je vais la placer là. Ça marche. Donc ça pourrait être une clavicule gauche. En plaçant que l'extrémité latérale vers le nord, c'est possible. Si je la mets du côté droit, est-ce que je peux. Est-ce que si je la considère clavicule droite, est-ce que je peux placer l'extrémité latérale, l'extrémité pardon, aplatie vers le nord? Oui. Donc jusqu'à présent, en ne répondant qu'à cette question, je ne peux pas trancher. Il faut que j'utilise la deuxième question. Quelle est la deuxième question? La deuxième question, qu'est-ce qui regarde vers le haut et qu'est-ce qui regarde vers le bas? Et là encore, qu'est-ce qu'elle me dit l'anatomie? Elle me dit que la clavicule, elle a deux faces. Une face qui est lisse, et une face qui est rugueuse. Elle me dit aussi que la face lisse doit être placée vers le haut et la face rugueuse, vous savez ce que c'est rugueuse? Irrégulière, rugueuse. Et la face rugueuse, elle doit regarder vers le bas. Donc je n'ai qu'à faire passer le doigt sur les deux faces. Voilà, je fais passer mon doigt sur cette face-là. Je trouve qu'elle est lisse. Et je fais passer là, sur cette face, je trouve qu'elle est rugueuse. Donc mon doigt, il subit il semble certaines irrégularités. C'est une face qui est rugueuse. Donc, la face rugueuse, elle doit regarder vers où? Vers le bas. Très bien. Donc, la clavicule, je ne peux pas la placer comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que si je la place comme ça, eh ben, ça fait que la face rugueuse, elle regarde vers le haut. Or, elle doit regarder vers le bas. Donc, je vais maintenant respecter ces deux critères, c'est-à-dire placer l'extrémité aplatie vers le nord et la face rugueuse vers le bas. Donc si j'utilise ces deux critères, je vais placer l'extrémité latérale vers le nord, la face rugueuse vers le bas et je vais tenter de la placer sur la gauche. Est-ce que ça marche? Ça marche. Et en respectant ces deux critères, est-ce que je peux la placer sur le côté droit? On va essayer. Est-ce que je peux la tenir comme ça? Non, parce que l'extrémité latérale, elle regarde ici vers le dedans. Donc je vais la placer vers le dos. Vers le dos. Donc est-ce que c'est juste ce que j'ai fait là? Non. Pourquoi? La partie rugueuse, elle est vers le haut. Donc je vais essayer de respecter ces deux critères et voir. Est-ce que je peux la faire tourner tout en gardant l'extrémité aplatie vers le dos? Oui. Donc ça marche. Donc ça pourrait toujours être une clavicule droite. Donc jusqu'à présent, en ne répondant qu'aux deux premières questions, les deux possibilités restent valables. Ça pourrait être une clavicule droite, comme ça pourrait être une clavicule, ça pourrait être une clavicule gauche, comme ça pourrait être une clavicule droite. Donc je n'ai pas encore
répondre à la troisième question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit regarder vers l'avant et qu'est-ce qu'il doit regarder vers le nord. Et là, on peut utiliser le squelette. Regardez, là, la clavicule, bien sûr, elle est placée dans le bon sens. Et vous savez que la clavicule, elle ressemble à un S italique, à la lettre S qu'on a tirée. Et donc, elle décrit deux courbures. Deux courbures. Et les courbures, quand on a fait le chapitre généralité, on a dit qu'il y a la convexité et la concavité. Vous avez compris ce que c'est ou pas? Pour ceux qui n'ont pas compris, quand vous prenez un bol, d'accord? Le bol, l'intérieur du bol, c'est concave ou convexe? Concave, bien sûr, et l'extérieur, c'est convexe. Donc la convexité, c'est une courbe qui regarde vers la partie périphérique du bol. Et la partie centrale, le fond du bol, c'est la concavité. Et donc, la clavicule, elle va donc présenter une courbe qui est, comment elle est celle-là? Là, en avant, elle est convexe, très bien, et c'est là, elle est concave. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit l'anatomie? L'anatomie, elle nous dit que la moitié ou le tiers latéral de la clavicule, puisque la coupe est là en deux, la moitié latérale, elle doit être concave ou convexe en avant? Concave, très bien. Donc la moitié latérale de la clavicule, c'est la coupe en deux, la moitié latérale doit être concave en avant, et la moitié médiale doit être convexe en avant. D'accord? Donc ceci est bien représenté sur la clavicule ici en place. Donc revenons maintenant à l'orientation. Donc je vais considérer que c'est une clavicule droite. Donc je vais placer l'extrémité latérale en bas, la face rugueuse en bas, et si je respecte ces deux critères, est-ce que le tiers latéral est concave en avant? Non. Il est convexe. Donc ça ne peut pas être une clavicule droite. C'est pas possible. Parce que le troisième critère n'est pas respecté. Par contre, si je la place comme ça, est-ce que les trois critères vont être respectés? Est-ce que l'extrémité aplatie est latérale? Oui. Est-ce que la face rugueuse est en bas? Oui. Est-ce que le tiers latéral est concave en avant? Oui. Donc c'est une clavicule gauche. Donc, ça ne peut pas être une Et c'est ça l'orientation d'un lance. C'est comme ça, en répondant aux trois questions, que vous pouvez être sûr de l'os, est-ce qu'il est droit ou est-ce qu'il est gauche. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Vous êtes capable d'orienter un lance maintenant? Voilà, donc maintenant, après la définition et la situation, la classification et l'orientation de l'os, on peut commencer à le décrire. Et pour le décrire, on parle d'abord de sa forme générale. On dit que la clavicule est un os qui est allongé en S italique. Il présente donc deux faces, une face supérieure et une face inférieure, deux bords, un bord antérieur et un bord postérieur, et deux extrémités, une extrémité médiale et une extrémité latérale. Je vais essayer de résumer pour ne dire que l'essentiel à retenir. La biologie, les insertions musculaires, on va en citer quelques-unes, mais on les reprendra avec la biologie. On va surtout aujourd'hui parler des éléments osseux, on va décrire l'os, c'est-à-dire, on ne va pas décrire les détails, mais parler de l'essentiel en matière de structure osseuse. Parfois, on citera quelques insertions musculaires. Toutes les insertions musculaires, on n'aura le temps de les revoir avec la biologie. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire à propos de la face supérieure? La face supérieure de la clavicule, qu'est-ce qu'il faut retenir à propos de ça? Deux choses importantes. La première, c'est qu'elle est lisse. Elle n'est pas rugueuse, elle n'est pas de crête dessus. Elle est lisse quand on fait passer le doigt. La deuxième des choses, c'est qu'elle est superficielle, elle est sous-cutanée. Quand vous touchez là, la clavicule, quand vous touchez à ce niveau, vous pouvez palper votre clavicule. Il n'est couvert que par la peau, la face supérieure. Et il n'est pas couvert par une épaisse masse musculaire, comme par exemple le fémur.
impossible de le palper parce qu'il est profondément enfoui sous une épaisse masse musculaire. Par contre, là, la face supérieure de la clavicule est découverte que par la peau. On dit qu'elle est sous-cutanée. Cutanée, c'est l'adjectif relatif à peau. Donc, elle est découverte que par la peau, ce qui fait qu'elle est vulnérable, c'est-à-dire qu'elle est exposée au traumatisme. Dès qu'il y a un traumatisme à ce niveau, ben, le risque de fracture, de cassure, de fracture de la clavicule est élevé. Et pire encore, quand la clavicule se fracture, quand il y a un choc violent, comme il est sous la peau directement, parfois le fragment de fracture peut carrément déchirer la peau et sortir à travers la peau. Là, ça continue à être un traumatisme violent. D'accord. Mais donc, revenons à la face supérieure, qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Deux éléments. Un, il est lisse. Deux, il est directement sous la peau, sous-cutané, donc exposé au traumatisme. C'est bon ? Voilà. Maintenant, la deuxième face, c'est la face inférieure. La face inférieure. La face inférieure, elle est rugueuse. Je vais m'aider de ce logiciel pour vous montrer certaines choses au niveau de la face inférieure. Voilà, la clavicule, vous la reconnaissez, elle est là. On va l'isoler pour donc, voir ces différents constituants. Donc là, on a pris la clavicule gauche, donc celle que j'avais dans ma main. Et ce qu'on est en train de voir là, c'est la face supérieure. On reconnaît ici l'extrémité latérale aplatie et là, l'extrémité médiale arrondie, volumineuse. Quand on la fait basculer vers le bas, c'est là où on voit la face inférieure. La face inférieure, elle est rugueuse. Elle présente à sa partie moyenne, de là à là, une gouttière. Une gouttière. Cette gouttière, c'est pour le passage, pour l'insertion de quel muscle ? Le muscle supérieur. Donc à la partie tout à fait moyenne de la clavicule, sur la face inférieure bien sûr, il y a une gouttière ou sillon pour l'insertion des muscles que vous avez, dont on a déjà parlé dans le chapitre biologie, qu'on appelle muscle subclavier. Maintenant, du côté de l'extrémité latérale, il y a deux tubercules que j'espère vous arriver à voir. Ceux qui ont là la clavicule entre les mains peuvent reconnaître deux tubercules. Un tubercule qui ressemble à un cône, et donc on va l'appeler tubercule conoïde. J'avais expliqué que le suffixe oïde veut dire ressemblant à. Et donc conoïde veut dire ressemblant à un cône. Voilà, vous savez ce que c'est une forme géométrique conique. D'accord. Donc ça ressemble à un cône et ça donne insertion. Et là, donc ça donne insertion au ligament conoïde. On l'appelle tubercule conoïde, il donne insertion au ligament conoïde. Juste derrière, à ce niveau, il y a un autre tubercule, qui n'est pas représenté là sur l'écran, que vous pouvez deviner sur la maquette, qui a cette fois-ci la forme d'un trapèze. Il a la forme d'un trapèze et qu'on appelle donc trapézoïde. C'est le tubercule trapézoïde qui donne insertion cette fois au ligament trapézoïde. Et ces deux ligaments, conoïde et trapézoïde, qui sont le conoïde il est en avant, le trapézoïde juste derrière, et bien ces deux tubercules vont donner une insertion à des ligaments qui vont partir de la clavicule jusqu'au processus coracoïde. Et ça va être les deux, des ligaments, comme ils partent de la clavicule au processus coracoïde ici de la scapula, on verra dans quelques minutes, on va les appeler donc les ligaments coraco-claviculaires, au nombre de deux, conoïde et trapézoïde. Maintenant, du côté latéral, médial, à proximité de l'extrémité médiale, il y a un autre tubercule, c'est carrément tuberosité, qui donne insertion à un ligament destiné à renforcer l'articulation que vous voyez à ce niveau, donc l'articulation entre la clavicule et le sternum d'une part, et entre la première côte et le sternum d'autre part. C'est l'articulation sterno
costo-claviculaire. Parmi ces moyens d'union, il y a un ligament qui part là de la clavicule jusqu'au niveau de la côte et qu'on va donc appeler ligament costo-claviculaire. Costo-claviculaire, sterno-costo-claviculaire, donc qui va s'insérer sur le tubercule que vous voyez à ce niveau, pour ceux qui ont la maquette entre les mains, la tuberosité ou tubercule costo-claviculaire. D'accord? Est-ce que vous suivez? C'est bon? Donc, concernant la face intérieure, qu'est-ce qu'il y a à retenir à propos de la face intérieure? Trois éléments. L'élément au milieu, c'est la gouttière du subclavier, du côté latéral de tubercule. Lesquels? Coloïdes et trapézoïdes. Du côté de l'extrémité médiale, un tubercule. Lequel? Costo-claviculaire pour l'insertion du ligament costo-sternoclaviculaire ou ligament costo-claviculaire. Voilà. Donc là, c'était la face supérieure lisse. Et la face inférieure avec ces trois éléments à retenir au milieu, latéralement et médialement. Maintenant, les bords, la clavicule a deux bords, un bord antérieur qui est concave au niveau de son tiers latéral, convexe au niveau de ses deux tiers médial, et un bord postérieur, c'est l'inverse. Il est concave dans ses deux tiers médiaux et convexe dans son tiers latéral. Il y a des insertions musculaires, bien entendu, sur les faces, sur la face supérieure, le long des bords. On va en reparler avec la myologie. Est-ce que vous suivez? C'est bon. Maintenant, reste à décrire pour la clavicule deux extrémités. Une extrémité aplatie, latérale, et une extrémité arrondie, médiale. L'extrémité latérale, elle est aplatie de haut en bas. Vous voyez que, c'est-à-dire qu'on ne la tient pas comme ça. Si on la tient comme ça, elle sera aplatie d'avant en arrière. Or, la clavicule est tenue de telle sorte à ce qu'elle est présente à décrire, plutôt une face supérieure et une face inférieure. Et donc, l'extrémité latérale, elle est dite aplatie de haut vers le bas. Elle est caractérisée par la présence, au niveau latéralement, d'une surface articulaire qui répond, comme vous voyez sur la maquette là, à ce processus, comment on appelle ce processus qui fait partie de la scapula? L'acromion. Vous voyez là très bien que l'extrémité latérale aplatie présente une surface articulaire qui répond à l'acromion pour former ce qu'on appelle l'articulation acromion, claviculaire, acromion, claviculaire. Est-ce que c'est compris? Donc, l'extrémité latérale est aplatie de haut en bas et caractérisée par la présence latéralement d'une surface articulaire répondant à l'acromion. Alors maintenant, l'extrémité médiale. L'extrémité médiale, elle est arrondie, elle est volumineuse par rapport à l'extrémité latérale, et elle répond à quoi? Elle répond au sternum. Elle présente une surface articulaire répondant au sternum, plus exactement au manubrium sternum. C'est la partie toute supérieure ici du sternum, et on voit là, ce niveau, l'articulation sterno-claviculaire. Cette articulation sternoclaviculaire n'est qu'une partie, un constituant de l'articulation sterno-costo-claviculaire qui fait partie du complexe articulaire de l'épaule qu'on reverra dans quelques minutes. Est-ce que c'est compris? Voilà donc concernant la clavicule dans sa globalité. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
On a deux faces, et deux bords, et deux extrémités. Donc on a une face supérieure qui est lisse, une face inférieure qui est rugueuse, et on a la poussière d'une circulaire glycine. Et on a deux tubercules dans le côté qui est dans le côté latéral, une tubercule colloïde et une tubercule trapézoïde, on en a vu régulièrement. Et notre tubercule qui est dans le côté médial, c'est un tubercule de tubercule volant. C'est une tubercule post-claviculaire, on aura l'égard post-claviculaire. Et le bord antérieur, qui est dans la partie médiale, on a dit qu'il était convexe. Et dans la partie latérale, il est concave. Et le bord postérieur, il est ouvert. Et l'extrémité, on a l'extrémité qui est aplatie et en dehors, c'est l'extrémité qui répond à la première. Et l'extrémité qui est médiale, qui est sternale, qui va répondre au sternal. Et voilà, on va voir celle-ci. Tout à fait, donc c'est des éléments, voilà, on n'a pas beaucoup à retenir au niveau de la clavicule, c'est un os relativement facile. D'accord. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça va? Concernant la clavicule? Très bien, donc si c'est bon concernant la clavicule, on va passer à un autre os, c'est la scapula. Donc on va donc aborder la scapula, et la scapula c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on a à dire à propos de la scapula? Donc, je vais parler, mais là je vais un petit peu aller plus vite parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire, parce qu'on est comme ça, mais au départ c'est juste pour vous expliquer la notion générale. Maintenant on va décrire l'os assez rapide, suivant le même plan. Donc la scapula, c'est quoi? La scapula, la clavicule, on a dit que c'est la partie antérieure de la ceinture scapulaire. Donc la scapula, c'est l'os qui constitue le segment postérieur de la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, je l'ai dit, c'est ce qui rattache le membre supérieur au thorax. Donc, elle est plaquée sur la paroi thoracique postérieure de la deuxième à la septième côte. Si on compte ici les côtes, c'est ici la première, elle est loin de la scapula, et la scapula, vous avez ici son membre supéromédial qui répond à la deuxième côte. Donc il s'étend de la deuxième jusqu'à la septième. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième côte. C'est un os qui constitue la paroi postérieure de toute la partie postérieure de la ceinture scapulaire et qui répond par une surface articulaire à l'artère humérale, constituant l'articulation scapulo-humérale. On va donc isoler cet os, on va l'arracher de là où il est pour l'étudier. Et pour étudier un os, après sa situation et sa définition, il faut le classer. On va donc le classer en disant que c'est un os qui est plat. Très bien. Pourquoi plat? Parce qu'il répond à la définition des os plats. La définition des os plats, ce sont des os dont la longueur et la largeur dépassent de très loin son épaisseur. Ce qui est le cas, regardez l'épaisseur, c'est rien du tout, par rapport à la longueur et à la largeur. Donc il répond bel et bien à cette définition d'os plat. Donc c'est un os plat, bien sûr, pair, normaleux, droit et gauche, et asymétrique comme tous les os du squelette perpendiculaire dont on a parlé tout à l'heure. Après cela, on va le décrire. Et donc on va le décrire en disant que c'est un os qui est triangulaire, ressemble à un triangle. Mais avant de les décrire, bon, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié l'orientation. Ouais, tout à fait. Il faut d'abord qu'on l'oriente et on va commencer à le décrire. Et donc, on va l'orienter en utilisant les données anatomiques communes. Donc, on répond aux trois questions habituelles. D'accord? La première, c'est qu'est-ce qu'on doit placer vers le bas? Donc, la scapula étant sur la table, je la prends, je dois savoir est-ce que c'est une scapula de droite ou gauche. Je vais tout d'abord savoir qu'est-ce qui doit être placé vers le bas et qu'est-ce qui doit être placé vers le haut. Est-ce qu'on peut la tenir comme ça? Non, parce qu'on sait que, j'ai dit que c'est un triangle sur le plan de forme générale. Le sommet de ce triangle, il doit regarder vers le bas. Donc on ne peut pas la tenir comme ça. On doit la tenir dans ce sens, avec son sommet, regardant vers le bas. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, qu'est-ce qu'il doit regarder vers l'avant et qu'est-ce qu'il doit regarder vers l'arrière? Là encore, c'est simple, on sait qu'au niveau de la scapula, il y a une grande épine. Une grande
comme ça. Donc jusqu'à présent, en respectant que ces deux critères, pointe vers le bas et pile vers l'arrière, ça pourrait être une scapula droite, comme ça pourrait être une scapula gauche. En ne respectant que ces deux critères, les deux possibilités sont encore valables. Mais pour trancher, on va répondre à la troisième question. Qu'est-ce qui doit être placé vers le dehors et qu'est-ce qui doit regarder vers le dedans? Là, on a le troisième critère qui nous dit que au niveau de la scapula, il y a une cavité articulaire ou valaire, on va l'appeler tout à l'heure cavité glénoïde, qui regarde vers le dos. Très bien. Donc, si je considère que c'est une scapula gauche et je la tiens comme ça, la cavité glénoïde, elle regarde dans ce cas où? Vers le dedans. C'est faux. Ça ne peut pas être une scapula gauche. Impossible. Ça ne peut être qu'une scapula droite. Donc là, à coup sûr, en utilisant les trois critères, la scapula est isolée du corps, on a pu savoir que c'est une scapula droite. On va donc maintenant commencer à décrire la scapula. On dit que ressemble à un triangle. Et là, combien de faces? Elle a deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Et là, trois bords, comme tous les triangles, trois côtés, trois bords, un bord supérieur, un bord latéral et un bord médial. Et elle a trois angles, un angle supéro-médial, un angle supéro-latéral et un angle inférieur. On va donc commencer à décrire ces différents éléments, deux faces, trois bords et les trois angles. Concernant la face antérieure, c'est elle, comme on a dit tout à l'heure, elle est plaquée contre la paroi postérieure du thorax. Comment vous la trouvez? Est-ce qu'on peut la tenir dans un plan frontal strict? Est-ce qu'elle est droite? Elle n'est pas droite, elle est comment? En cas vers où? Vers l'avant ou vers l'arrière? Vers l'avant. Vers l'avant, bien sûr. Donc elle décrit une concavité vers l'avant. En décrivant cette concavité vers l'avant, elle forme une fosse. C'est une fosse. Une fosse, c'est-à-dire une dépression, si vous voulez. Un creux, mais un creux adouci, si vous voulez. Donc c'est une fosse qui donne insertion à quoi? Quel est le muscle qui s'insère là? C'est le muscle subscapulaire. On va donc appeler cette fosse la fosse subscapulaire. Donc la face antérieure, pour nous dire que l'essentiel, est une face qui est concave en avant. Elle forme dans sa globalité une fosse donnant insertion au muscle subscapulaire. Voilà l'essentiel à retenir concernant la face antérieure. Concernant la face postérieure, si la face antérieure est concave, la face postérieure elle va être comment? Convexe vers l'arrière, et elle est caractérisée par l'implantation à ce niveau, à la jonction de son quart supérieur et ses trois quarts inférieurs, d'une grande épine qu'on appelle épine de la scapula. Cette épine de la scapula va diviser cette face postérieure en deux espaces ou deux fosses. On va donc parler de la fosse qui est sous l'épine, on va donc l'appeler comment? Intra-épineuse. Et l'autre qui est au-dessus de l'épine, supra-épineuse ou sus-épineuse, comme vous voulez. La fosse intra-épineuse va donner l'insertion au muscle du même nom, intra-épineux, et la fosse supra-épineuse va donner l'insertion au muscle supra-épineux, tout simplement. Maintenant, l'épine de la scapula, si on la voit ici, donc d'en haut, si on la voit d'en haut, on va elle-même constater qu'elle est triangulaire. Si on la coupe, on l'isole, elle aura la forme d'un triangle. Un triangle, bien sûr, qui a trois côtés aussi. Il a un sommet que voici. Il a une base là. C'est ce qu'on appellera l'échancrure spinoglinoïdale. Et puis, il a trois côtés, trois bords. Un bord ici qui est soudé à l'os. Il est plaqué, soudé sur l'os. Un bord postérieur sur lequel va s'insérer le deltoïde en haut et le trapèze en haut, le deltoïde en bas. Et une base, un côté latéral qui constitue ici l'incisure ou l'échancrure spino. Donc l'épine spino, c'est un adjectif relatif à épine glénoïdale, relatif à la glaire de la scapula. Donc on parlera de
d'incisures ou d'échancrures spinoléoïdales. Et le triangulaire, il est caractérisé par une chose. Il est caractérisé par son prolongement, par ce processus, un gros processus qu'on appelle l'acromion, qu'on peut facilement bien opérer ici sur la maquette. Et tout à l'heure, on a dit qu'il répond à la clavicule pour constituer l'articulation acromio-claviculaire. Voilà donc l'essentiel à propos de la face postérieure. On parlait donc des deux faces, face antérieure et face postérieure. Reste à décrire les bords. Les bords, il y en a trois. Le premier, dit bord supérieur, c'est aussi le bord le plus court. Il est court par rapport aux autres. C'est le bord le plus court et il est caractérisé par l'existence, vraiment à son extrémité latérale, d'une incisure. Cette incisure est située juste à côté de ce processus. Comment on appelle ce processus? Processus coracoïde. Non pas coronoïde, mais coracoïde. Juste à côté du processus coracoïde. On va donc l'appeler incisure coracoïdienne. Cette incisure est située aussi à la partie supérieure de la scapula. On peut aussi l'appeler donc incisure suprascapulaire ou coracoïdienne, c'est pareil. D'accord. Voilà donc concernant le bord supérieur. Le deuxième élément à retenir, c'est le bord le plus court et c'est un bord qui se prolonge à sa partie toute latérale par l'incision coracoïdienne ou suprascapulaire. Maintenant, le bord médial. Regardez le bord médial sur la maquette, sur le squelette en entier. C'est un bord qui regarde vers ses épines. Ce sont les processus épineux des vertèbres. Et j'ai dit tout à l'heure que l'adjectif relatif à épine, c'est spinal. Donc ce bord qui regarde vers les épines, on va donc l'appeler aussi le bord spinal de la scapula, parce qu'il regarde vers les épines de la colonne vertébrale, vers les processus épineux de la colonne vertébrale. Donc c'est le bord qui est dit spinal. C'est aussi le bord le plus long. Vous voyez la longueur de ce bord par rapport au bord latéral et par rapport au bord supérieur, il les dépasse. C'est un bord le plus long, dit spinal, et c'est aussi un bord qui est tranchant. D'accord? C'est un bord qui est tranchant par rapport aux deux autres. Il est tranchant, il est étroit, mince et tranchant. Voilà donc concernant le bord spinal. Concernant le troisième et dernier bord, c'est le bord qui est latéral. Il regarde vers le nord. Vous le voyez là, très bien, le bord latéral. Si on a dit que le bord spinal est mince, le bord là, latéral, c'est le contraire. Il est très épais par rapport au bord spinal et au bord supérieur. Il est très épais et il faut qu'il soit épais. Pourquoi? Parce qu'il a comme rôle principal de soutenir l'élément essentiel de la scapula, c'est cette cavité articulaire qu'on appelle la glaine de la scapula. Il la soutient. Et ce qui soutient, par exemple ici le plafond, c'est les poutres ou piliers. Poutres ou piliers. Donc comment on va appeler aussi ce bord qui soutient la glaine? On va l'appeler le pilier de la scapula. C'est le pilier de la scapula, il est très épais, solide et soutient la cavité glénoïde. On peut aussi l'appeler le bord axillaire. Pourquoi axillaire? Parce qu'il regarde vers le nord, il regarde vers le creux axillaire. Le creux qui est là, c'est le creux axillaire. Donc, puisque ce bord regarde vers le creux axillaire, on va donc l'appeler bord axillaire. Voilà donc concernant les trois bords. Le bord supérieur est le plus court, il se prolonge par une incisure, c'est l'incisure coracoïdienne. Le bord médial est encore appelé spinal. C'est le bord le plus long et il est caractérisé par son aspect mince et tranchant. Et le bord latéral est un bord très épais qui regarde dans le creux axillaire, qu'on appelle donc bord axillaire, et qui soutient la glaine et qui mérite donc le nom de pilier de la scapula. D'accord. Voilà, donc on a ainsi décrit les faces, supérieure, antérieure et postérieure, les trois bords. Maintenant, restent les angles de la scapula. Les trois angles. Il y a l'angle inférieur, vous voyez à ce niveau, c'est le sommet du triangle,
latissimus dorsi ou grand dorsal. Parfois, il s'y insère, inconstamment, pas toujours. Chez vous, peut-être, il s'insère sur la pointe de la scapula. Chez moi, peut-être non. Donc, c'est une insertion inconstante du grand dorsal ou latissimus dorsi sur l'angle inférieur. La scapula présente aussi un angle supéromédial. Vous voyez à ce niveau, c'est la jonction entre le bord supérieur et le bord spinal. Mais elle présente aussi et surtout un angle extrêmement important. C'est l'angle dit supérolatéral. L'angle supérolatéral est très important. Il est là. Il est bien visible sur la maquette ici. Il est très important parce qu'il présente un élément d'une grande importance. Il présente la cavité glénoïde ou la glaine de la scapula. Il présente aussi un processus qui a la forme d'un doigt semi-fléchi. Si je tiens là le doigt, l'index semi-fléchi, ben ça ressemble au processus coracoïde. Donc, on dit que ce processus ressemble à un doigt semi-fléchi. On l'appelle aussi coracoïde parce que dans ce mot coracoïde, il y a coraco, ça veut dire courbeau en latin, et donc c'est un processus qui ressemble au bec de corbeau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bec de corbeau, il est un petit peu incurvé. Et puisque ce processus ressemble au bec de corbeau, on l'a appelé, les anciens anatomistes l'ont appelé le processus coracoïde, qui ressemble à un bec de corbeau ou un doigt semi-fléchi. Il doit l'insertion à plusieurs muscles. On va les voir avec la biologie de l'épaule et du bras, comme par exemple ici le muscle coracobrachial, comme ici le muscle pectoralis minor, etc. Et ces différentes insertions musculaires, on les reverra avec la biologie. Toujours au niveau de l'angle supérolatéral, il y a le processus coracoïde avec une portion verticale là et une portion horizontale et un sommet dont on a parlé. Mais cet angle présente aussi cette très importante cavité articulaire qui a la forme, une forme ovalaire. C'est la cavité glénoïde ou glène de la scapula qui regarde, comme vous voyez ici sur le squelette, elle regarde vers le dos, vers l'avant et vers le haut. Et c'est très important de retenir son orientation. Elle répond à la tête du méral. Elle est articulaire, donc elle est encroûtée de cartilage. Mais ce qu'il y a à remarquer aussi par rapport à la tête du méral, c'est que cette cavité glénoïde, elle n'est pas assez profonde pour que la tête du méral vienne s'encastrer dedans d'une façon stable. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez un bol, un petit bol, et une balle de tennis. Est-ce que vous pouvez mettre la balle de tennis en entier dans le bol si c'est un petit bol? C'est pas possible, ça ne peut pas rentrer dedans. Parce que il y a une. C'est pas compatible, dit que c'est pas congruent. Il n'y a pas de congruence entre la cavité glénoïde et la tête humérale. La tête humérale est beaucoup plus grosse que la cavité glénoïde. C'est pour cela que quand vous avez étudié l'articulation scapulo-humérale, on vous a dit que sur le pourtour ici de la cavité glénoïde est déposé un fibrocartilage qu'on appelle le bourrelet glénoïdien ou l'arbre. Le bourrelet glénoïdien ou l'arbre qui approfondit cette cavité glénoïde. Il la rend plus profonde pour que la tête de l'humérus puisse répondre mieux à la cavité glénoïde pour améliorer ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la congruence articulaire. D'accord, la congruence. Est-ce que c'est compris? Voilà donc ce qu'il y a à retenir brièvement concernant la scapula, ces deux faces, ces trois bords, ces trois ongles. Et d'ailleurs, on l'appelle scapula parce que ça ressemble à une spatule. Et scapula, en latin, veut dire spatule. Spatule, c'est un instrument que vous avez peut-être chez vous, que vous utilisez peut-être à la cuisine ou autre. D'accord, donc ça ressemble à une spatule et c'est de là d'où vient le nom de scapule. On l'appelle scapula, on l'appelle aussi omoplate. Omoplate, c'est tout à fait.
est valable. Pourquoi? Parce que dans le mot homo plate, il y a homo et il y a plate. Homo, ça veut dire épaule. Et plate, c'est plat. Et donc, c'est l'os plat de l'épaule. C'est pour ça qu'on appelle homo plate. Homo, c'est épaule, plat, c'est plat. Donc, c'est l'os plat de l'épaule, homo plate. Ou, là, on appelle scapula, parce que c'est un os ressemblant à une spatule. Voilà donc ce qu'il y a à retenir réellement concernant la scapula. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, des questions avant de faire passer quelqu'un, s'il vous plaît, pour nous rappeler ce qu'il y a écrit? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Donc, un volontaire, s'il vous plaît, bon, on va juste. Oui, très bien, merci. Merci, on va l'encourager par des applaudissements. Incisure coracoïde, et c'est
considéré comme pilier de la scapula, parce qu'il maintient la qualité de la glène. Pourquoi la glène, etc. Maintenant, par rapport aux extrémités, donc à l'extrémité A. Par l'extrémité de nos angles, sont des angles. L'angle inférieur, qui donne parfois insertion au muscle grand dorsal. L'angle supéro-médial. Et le bord supéro-latéral, qui est le plus important, où on retrouve un processus appelé processus coracoïde, qui a la forme d'un doigt subduvichy. Et on retrouve aussi la cavité glénoïdale, qui fait partie de l'articulation scapulo-médiale. Va venir s'insérer la pomme qui est en fait un fibrocartilage pour augmenter la profondeur de la glène, pour venir insérer l'humérus. Pour recevoir la tête humérale, qui est une profondeur. Voilà. Pour le placer, on va
dire que c'est un os qui est, bien entendu, comment, long, paire, asymétrique. Il est long, et c'est évident, parce qu'il répond à la description d'un os long. Comment on a défini un os long? Très bien. Un os long est un os dont la longueur dépasse de loin la largeur et l'épaisseur, ce qui est le cas. La longueur ici de l'humérus dépasse de loin sa largeur et son épaisseur. Donc il est bel et bien un os long. Donc, on a parlé de la définition de la situation, de la classification. On va maintenant l'orienter. Pour orienter l'humérus, il n'y a pas plus simple que ça. Il suffit de placer l'extrémité arrondie vers le haut. Toujours au niveau de cette extrémité, il y a deux tubercules. Alors, le premier et le deuxième, on va leur donner des noms tout à l'heure. Le sillon entre ces deux tubercules doit regarder vers l'avant. Et puis toujours, utilisant cette extrémité, elle contient une sphère encroûtée de cartilage. Elle doit regarder vers le dedans. Très bien. Donc, si l'humérus est posé sur la table, je le prends, je cherche l'extrémité arrondie. Est-ce que c'est celle-là? Non, celle-là elle n'est pas arrondie, c'est plutôt celle-là. Je la mets en haut. Toujours concernant cette extrémité, je cherche la surface encroûtée de cartilage, sous forme sphérique. Est-ce qu'elle regarde vers le devant, vers le nord? Elle regarde vers le dedans. Et puis, je cherche le sillon entre les deux tubercules, on doit regarder vers là. Donc c'est une humérus, est-ce que je peux le placer comme ça? Pourquoi? Parce que la partie hémisphérique regarde vers le nord. Donc ça ne peut pas être un humérus gauche. C'est un humérus droit. Respectant les trois critères. Donc après son orientation, il faut qu'on le décrive. Donc c'est un os qui est long. Et un os grand, il présente un corps et deux extrémités, c'est-à-dire une diaphyse et deux épiphyses. Il présente donc la diaphyse de le corps, de la mala, et deux extrémités, l'extrémité proximale et l'extrémité distale. L'extrémité distale est encore appelée palette humérale. Nous allons la décrire tout à l'heure. On va commencer par la description de la diaphyse. La diaphyse, elle est comment? Ben, la diaphyse, sa forme, trois dimensions, dépend de là où on l'a décrit. Au niveau de la partie moyenne, ici, à la partie moyenne, si on la coupe transversalement, on obtiendra quoi? Un triangle. Un triangle, où le sommet regarde vers là-haut. D'accord? Si on la coupe en haut, c'est là où on va obtenir un cylindre. C'est cylindrique en haut, triangulaire à la partie moyenne, et en bas, elle devient aplatie d'avant en arrière. Je vais vous faire passer des humérus pour les voir de près. Vous pouvez faire passer l'humérus, s'il vous plaît. Pour remarquer, puisqu'on est en train d'expliquer la partie moyenne est triangulaire à la coupe avec un triangle à son sommet antérieur, la partie supérieure est cylindrique et la partie inférieure est aplatie d'avant en arrière. Donc, comme elle est triangulaire à la coupe, à la partie centrale, au moyen, il va donc présenter à décrire trois faces. D'accord? Comme il est triangulaire à la coupe, avec un sommet antérieur, il va présenter trois faces. Lesquelles? Est-ce qu'il peut avoir une face antérieure? Voilà, très bien. Il ne peut pas avoir de face antérieure. C'est un triangle. Donc le sommet regarde vers l'avant. D'accord? Donc il va présenter plutôt une face postérieure et une face antérolatérale, une face antéromédiale. D'accord? Vous suivez? Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir à propos de ces différentes faces? On va utiliser justement l'écran pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc là, j'ai dit que là, c'est une vue antérieure de l'os. Vous reconnaissez ici l'extrémité proximale, l'extrémité distale et ici le corps. Concernant les faces,
est mon terreau médial, et une face ici, postérieure. La face antéro-latérale, une seule chose à retenir, qui est importante, plusieurs choses, mais on essaie là de résumer. Ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'à sa partie moyenne, ce qui est ici devenu bleu, c'est l'insertion d'un muscle qu'on appelle le muscle deltoïde. C'est une empreinte d'insertion qui a grossièrement la forme d'un V. On va donc l'appeler le V deltoïdien ou tuberosité deltoïdienne. Elle existe à la partie moyenne de la face antérolatérale de l'humérus. Au niveau de la partie inférieure de l'humérus, de là à là, c'est une zone d'insertion aussi bien sur la face antérolatérale que la face antéromédiale d'un autre muscle brachialis. On va revoir ça avec, avec la biologie. Je vais ici vous montrer sur cette maquette ces éléments-là. Vous avez ici reconnu sur la face antéro-latérale, ici en bleu, l'empreinte d'insertion du muscle deltoïde. Le muscle deltoïde, on en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il s'insère entre autres sur les lignes de la scapula, et il vient pour s'insérer sur la face antéro-latérale du humérus, sur cette empreinte ici représentée en bleu. Là, au niveau de la face aussi bien antéro-latérale que la face antéro-médiale, il y a l'insertion d'un d'insertion d'un muscle qu'on appelle le muscle brachialis. Et sur la face antéromédiale, à la partie moyenne, il y a une empreinte d'insertion ici en bleu d'un autre muscle qu'on appelle coraco-brachial, qui provient du processus coracoïde et qui se termine sur la partie moyenne de la face antéromédiale. Donc, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent concernant les faces? On a parlé de la face antéro-latérale, section à la partie moyenne au muscle deltoïde, en bas au brachialis, et la face antéromédiale, donnant insertion à la partie moyenne au rapport brachial, et en bas au muscle brachialis. Ce qui reste, c'est la face postérieure. Et la face postérieure, on va d'abord la voir là, sur cet écran, retourner là, pour remarquer une chose. Et là, c'est extrêmement important. La face postérieure de l'humérus est caractérisée par l'existence d'un sillon. Voilà, il est là en bleu. D'accord. Un sillon oblique en bas et en dehors qui est extrêmement important. C'est un sillon pour le passage de quoi? Du nerf radial. Très bien. Le nerf radial, il passe au niveau de ce sillon. C'est la gouttière du nerf radial plaqué contre la face postérieure. Et c'est un élément à ne surtout pas oublier. Parce que quand il y a une fracture de la diaphyse humérale, ce que le médecin doit obligatoirement explorer, c'est une éventuelle lésion du nerf radial. Quand il y a une fracture à ce niveau, il faut qu'on suspecte une lésion du nerf radial. On sait que le nerf radial, c'est lui qui assure, par exemple, l'expansion de la main. Et donc, si on suspecte une lésion du nerf radial, on a qu'à demander au patient de faire l'expansion de la main et des doigts. S'il n'y arrive pas, on suspecte fortement qu'il y a une lésion du nerf radial, que la fracture de la diaphyse humérale a dû léser, couper, traumatiser en tout cas le nerf radial. Donc, la chose très importante à retenir au niveau de la sensation de l'air de l'humérus, c'est qu'il y a le sillon du nerf radial oblique en bas et en haut. Et ce sillon du nerf radial, comme vous voyez ici sur la maquette, il est là en blanc, donc on l'a gardé en blanc, oblique en bas et en bas. Il sépare deux zones d'insertion, une grande ici en rouge en bas et une moins grande là, toujours en rouge en haut. Donc il divise la face postérieure de l'humérus en deux zones d'insertion. Et en bas. Les deux vont donner insertion à deux chefs différents du muscle triceps. Voilà. Et cette notion, on va y revenir avec la biologie. Voilà donc concernant les
un bord latéral et un bord médial. Maintenant, arrivons aux extrémités. Qu'est-ce qu'il y a à retenir à propos de l'extrémité ? On va commencer par l'extrémité proximale. L'extrémité proximale de l'humérus présente trois éléments. Un segment de sphère et deux tubercules. Le segment de sphère est une saillie articulaire. C'est une saillie couverte de cartilage articulaire. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à la graine de la scapula pour former l'articulation scapulo-humérale. C'est une saillie articulaire qui est séparée des autres saillies, des autres tubercules non articulaires, par un élément ici rétréci tout autour de la tête qu'on appelle col anatomique. Le col anatomique est une zone relativement rétrécie faisant le tour de la sphère articulaire, du segment de sphère articulaire, et séparant la tête humérale du reste de l'extrémité proximale. C'est le col anatomique, à ne pas confondre avec le col chirurgical qui, lui, sépare l'extrémité proximale de la diaphyse humérale. Donc le col chirurgical est là, alors que le col anatomique, il est entre la tête humérale et le reste des constitutions de l'extrémité proximale de l'humérus. De quoi est fait le reste des constitutions de l'extrémité proximale? Il est fait de deux tubercules. Un tubercule mineur, que vous voyez là, c'est, on appelle tubercule mineur ou encore trochant, il est de situation antérieure. Il regarde vers l'avant. C'est le trochant ou tubercule mineur. Et latéralement, un autre tubercule, plus gros, qu'on appelle le tubercule majeur ou trochidaire. Entre les deux, entre le trochant et le trochidaire, existe un sillon. Il est entre les deux tubercules. On va donc l'appeler comment ? Intertuberculaire. Il est entre les deux tubercules, donc c'est le sillon intertuberculaire. Ce sillon intertuberculaire permet le passage d'un ligament. Je n'ai pas dit l'insertion du ligament, mais uniquement le passage du ligament. Et vous voyez là, vous reconnaissez bien entendu ici la clavicule, là la scapula et la tête humérale avec un segment de l'humérus qui est bien représenté ici. Et vous voyez ici là, ce que je vais carrément... On les appelle pas côtés, on
on les appelle l'Èvre. C'est comme si c'était une rivière ici, le Sillon. Et une rivière, elle a deux rives. D'accord? Mais là, ce n'est pas une rivière, c'est un sillon. Donc, on ne va pas parler de rive, on va parler de lèvre. Une lèvre ici latérale et une lèvre ici médiale. Et là, le fond du sillon. Et vous avez, comme vous l'avez remarqué sur cette maquette, trois empreintes ici en bleu qui désignent les insertions de trois muscles. Un muscle ici inséré sur la lèvre latérale, un muscle inséré sur la lèvre médiale et un muscle inséré au fond du sillon. Celui qui est inséré sur la lèvre latérale, c'est quoi? C'est le grand pectoral ou pectoralis major. Celui qui est inséré sur la lèvre médiale, c'est le grand rond ou teres major. Et celui qui est inséré au fond du sillon intertuberculaire, c'est un osseux grand. Donc on a des grands pectoraux, grand rond, et là, c'est le grand dorsal qui s'insère au fond. On dit donc toujours que sur le sillon intertuberculaire s'insèrent les trois grands. Le grand pectoral, latéralement, le grand rond, médialement, et le grand dorsal, au fond de l'interstice. J'ai préféré utiliser l'ancienne nomenclature, c'est-à-dire grand pectoral, grand rond, grand dorsal, juste pour retenir ce moyen mnémotechnique de trois grands. Mais sinon, en utilisant la nouvelle nomenclature, je dirais pectoralis major, latéralement, teres major, médialement, et latissimus dorsi, au fond du sillon. C'est bon? Voilà en concernant l'extrémité proximale, avec la sphère, c'est la tête articulaire, les deux tubercules et le sillon intertuberculaire. Qu'est-ce qu'il reste à décrire? Reste à décrire l'extrémité, parce que j'ai mis l'os, l'extrémité latérale. L'extrémité latérale, le numéro 2, voilà. L'extrémité latérale, ou plutôt l'extrémité distale de l'humérus, j'ai dit tout à l'heure, on appelle aussi comment? Palette humérale. Elle est aplatie d'avant en arrière. Elle présente plusieurs saillies, des saillies articulaires et des saillies non articulaires. Elle présente aussi des fossettes. Elle présente des fossettes. Vous avez là au milieu des saillies articulaires. L'un, là, ressemblant à un œuf, on dit un condyle. C'est le condyle huméral. Il est aussi au milieu, c'est le condyle huméral. Encore appelé capitalum. Capitalum, à ne pas confondre avec le capitatum. Le capitatum, c'est l'un des os du cap. On va le voir dans quelques minutes. Là, c'est le capitalum de l'humérus, ou condyle huméral. Médialement, par rapport à ce condyle, il y a un cylindre, mais un cylindre pincé au milieu. Comment on l'appelle? On l'appelle la trochlée humérale. La trochlée humérale. La trochlée humérale ressemble à une poulie. Une poulie. Et une poulie, comme vous savez, ou un sablier, il est pincé au milieu. C'est une poulie présentant deux joues. Voilà la joue médiale, et voilà la joue latérale, et une gorge, c'est la zone rétrécie entre les deux. Et vous avez remarqué que la joue médiale descend plus bas que la joue latérale. Entre la trochlée et le condyle existe une zone rétrécie qu'on appelle tout simplement zone capitalo-trochléaire. D'accord? Comme il existe entre la trochlée et le condyle, c'est la zone capitalo. C'est le capitalo, c'est le condyle, la trochlée, la capitalo-trochléaire. On peut aussi l'appeler la zone conoïde. Zone conoïde. D'accord? Voilà donc concernant les deux surfaces articulaires. Mais il y a toujours au niveau de cette palette des zones non articulaires. Il s'agit latéralement de l'épicondyle ou épicondyle latéral et médialement une saillie qui est plus proéminente que la latérale, c'est l'épicondyle médial, encore appelé épitrochlée. Épitrochlée parce qu'elle est juste au-dessus de la trochlée.
Et là, l'épicondyle, parce qu'il est juste au-dessus du condyle. Mais là, on ne parle plus d'épicondyle. Dans la nouvelle nomenclature, on préfère l'appeler l'épicondyle latéral. Et l'autre, c'est l'épicondyle frontomédial. Et l'autre, c'est l'épicondyle latéral. Ça, c'est sur la face antérieure. Sur la face postérieure, comme vous l'avez remarqué, on ne voit plus le condyle. Le capitalum ou condyle n'est visible que sur une vue antérieure. Maintenant, il n'y a pas que ça au niveau de la palette humérale, il y a aussi des fossettes. Au-dessus de la trochlée humérale, il y a une fossette, une dépression, un creux. Pourquoi il existe? Il existe parce que quand je vais regarder là, en position anatomique, le coude ici est en extension. Mais quand on va fléchir le coude, regardez ce qui va se passer. Vous reconnaissez ici le processus coronoïde de l'ulna. Et quand on va fléchir le coude, on fléchit, le processus coronoïde, il va venir s'encastrer, rentrer à l'intérieur d'une fossette au-dessus de la trochlée. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il existe. Si il n'existait pas, si la fossette, le creux n'existe pas et l'os est continu ici jusqu'à la trochlée, quand on va fléchir le coude, le processus coronoïde va venir buter contre l'os et on ne pourra pas compléter le mouvement de flexion. Donc, cette fossette-là, située au-dessus de la trochlée, permet de recevoir le processus coronoïdien dans le mouvement de flexion. On va donc appeler cette fossette comment? Comme elle reçoit le processus coronoïde. On va l'appeler fossette coronoïdienne. On peut aussi l'appeler fossette sustrochléenne, parce qu'elle est située au-dessus de la trochlée. D'accord? Donc c'est soit la fossette sustrochléenne ou fossette coronoïdienne. Coronoïdienne, pas coronoïdienne, coronoïdienne. Là encore, au-dessus du condyle, il y a une autre fossette qui reçoit elle aussi un élément faisant partie de la tête radiale. On va étudier tout à l'heure la tête radiale. On dira que le pourtour de la tête radiale présente une zone biseautée qu'on appelle le biseau de la tête radiale. Quand on fait la flexion du coude, le biseau de la tête radiale va venir buter contre cette fossette au-dessus du condyle. Comment on va donc appeler cette fossette qui reçoit le radius? La fossette radiale, tout simplement. Et là, quand on fait tourner l'os pour voir la face postérieure de la palette humérale, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît les éléments articulaires, la trochlée, on reconnaît les membres articulaires, l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. Mais on remarque aussi l'existence d'une fossette à ce niveau, juste au-dessus de la trochlée, mais en arrière cette fois. Quel est son intérêt? Son intérêt, c'est quand on fait l'extension. Regardez, quand on est là en flexion du coude et qu'on passe en extension, ce processus-là, qui fait partie de l'ulna, on appelle comment? L'olecrane. Qu'est-ce qu'elle fait l'olecrane? L'olecrane, elle vient s'incruster, elle rentre à l'intérieur de cette fossette. Donc cette fossette, située au-dessus de la trochlée, sur la face postérieure, va recevoir l'olecrane dans le mouvement d'extension. On va donc l'appeler comment? Comment elle reçoit l'olecrane? On va l'appeler fossette olecranienne, tout simplement. Si elle n'existait pas, si l'os était rempli à ce niveau et qu'il n'y avait pas de fossette, eh bien, quand on est en flexion et quand on veut passer en extension, l'olecrane va buter contre l'os et l'extension ne pourra pas se faire complètement. D'accord? Voilà donc les différents éléments à retenir au niveau de la palette humérale. Et on les voit là parfaitement bien sur la représentation à l'écran. On reconnaît ici en rouge la trochlée humérale, en bleu le condyle ou capitalum. Et là, cette fossette juste au-dessus, c'est la fossette sustrochléenne ou fossette coronoïdienne. Vous venez de comprendre pourquoi. Au-dessus du condyle, c'est la fossette radiale qui reçoit le
il épicondyle latéral ou, là à ce niveau, épicondyle latéral ou épicondyle latéral. Et à la face postérieure de l'os, vous connaissez la trochlée toujours ici en orange, et au-dessus, postérieurement, la fossette, comment ? Voilà les crâniens. Très bien. Voilà donc les différents éléments à retenir concernant l'humérus. Est-ce que vous avez des questions à propos de l'humérus ? Ça va ? C'est un triangle. Avant de le décrire,
est la plus grosse extrémité vers le bas. Où est la plus grosse extrémité? Est-ce que c'est celle-là ou celle-là? C'est celle-là. Il faut qu'on la place vers le bas. Je ne vais pas le tenir comme ça, je vais le tenir comme ça. Sur cette grosse extrémité, eh bien, il y a une face qui est lisse et une face qui est rugueuse. La face qui est lisse, elle doit regarder vers l'avant. Donc je la place vers l'avant. Et puis, je peux soit utiliser toujours cette extrémité, et donc dire que toujours sur cette extrémité, il y a un processus ressemblant à une bombe, le voilà, qui doit être placé en bord ou en dedans. En bord, c'est ce qu'on va appeler tout à l'heure le processus Kiwi. Il doit regarder vers le nord. Et donc, en utilisant ces trois critères, la plus grosse extrémité vers le bas, la face lisse de cette extrémité vers l'avant, et le processus ressemblant à une bombe de cette extrémité vers le nord, on peut à coup sûr dire que ce radius est un radius droit. Voilà. C'est les critères que je choisis maintenant, qui me permettent d'orienter l'os, ne sont pas les seules possibilités. C'est-à-dire, au lieu par exemple de choisir le processus stylouïde regardant vers le nord, je peux choisir le bord le plus tranchant regardant vers le devant. C'est pareil, quand je peux utiliser la plus petite extrémité et la placer vers le haut, au lieu de dire je vais choisir la plus grosse extrémité et la placer vers le bas. Ce n'est pas les différents critères qu'on cite, ce n'est pas forcément les critères qu'il faut utiliser. L'essentiel, c'est d'orienter l'os par rapport aux trois plans de l'espace et non pas de l'eau. D'accord? C'est compris? Très bien. Donc revenons à la description. Donc jusqu'à présent, on a défini l'os et on l'a classé, puis on l'a orienté et on a entamé déjà sa description en disant qu'il a un corps et deux extrémités et que le corps est triangulaire à la coupe. Avec justement un sommet qui regarde vers le dedans et correspondant déjà au bord entre les deux os, entre le radius et l'ulna, donc c'est le bord inter-os. Donc, au niveau de la diaphyse, il va donc présenter une face antérieure, une face postérieure et une face latérale ou médiane. Latérale, bien sûr. Il ne peut pas présenter de face médiane. Il a un bord médial, c'est un triangle pas quatre côtés, pas donc avoir une face médiale, il a plutôt un bord médial et une face latérale, face antérieure et face postérieure. D'accord. Ces différentes faces ne présentent pas de particularité. Elles donnent l'insertion, comme on va le voir avec la myologie, à différents muscles dont on va en parler. Abordera le chapitre myologie. Par contre, ce qu'il y a à retenir, c'est concernant les bords. Le bord le plus tranchant est médial, il regarde vers l'ulna et il donne insertion à une membrane que vous voyez très bien à ce niveau. Voilà, elle est ici en bleu. Une membrane entre les deux os, c'est la membrane interosseuse. D'où le nom de ce muscle. De ce bord, bord interosseux, parce que d'abord il est entre les deux os, et puis deuxièmement il donne insertion à la membrane interosseuse. Le bord maintenant qui est situé du côté latéral, le bord situé du côté latéral va se prolonger en bas par le processus styloïde, qu'on verra tout à l'heure quand on isolera l'os. Et le bord Ça c'est la tête. On peut dire que ça c'est un coup. Tout à
fait vrai. Sauf que c'est une zone qui est rétrécie. Tous les coups, on l'appelle pas coup, on l'appelle col. Et juste en bas, il y a la tubérosité radiale. Maintenant, on va s'intéresser à la tête. La tête, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un bouchon de bouteille. Qui est là, d'ailleurs, le bouchon de bouteille. La tête radiale, si on l'isole, uniquement ça, elle ressemble à au bouchon d'un bouteille. C'est un segment de cylindre. Et ce segment de cylindre, qu'est-ce qu'il présente? Ce bouchon, il présente un fond, là, à l'intérieur, qui correspond à ça au niveau du radius. Comment on appelle ce fond, là, au niveau du radius? Là? La fovea. Très bien, la fovea radiale, ou cupule radiale. La fovea radiale, ou cupule radiale. Elle répond à quoi? Elle répond au capitalum, ou, comme on dit, l'huméral. On le voit parfaitement bien ici. La fovea, cupule radiale, répond au condyle. Capitalum. Toujours concernant la tête du radius, le bouchon, il présente quoi? Un pourtour. Le pourtour de la tête radiale. Ce pourtour de la tête radiale, ici sur le bouchon, il est rugueux, il est assuré. Il répond à quoi? Il répond à quoi? Non. Il répond à l'ulna. Regardez. L'ulna, ici, présente une surface particulière. On appelle l'incisure radiale de l'ulna. C'est grâce à cette surface articulaire que le radius va venir tourner autour de l'ulna dans le mouvement de pronation et va regagner sa place dans le mouvement de supination. Donc les deux os, donc je pense qu'ils sont bien représentés ici. Regardez là, le pourtour dont on est en train de parler, il est là, le pourtour de la tête radiale, il répond à cette surface sur l'ulna. Et donc, quand on fait la pronation, regardez, la pronation, c'est le dos de la main qui regarde vers le haut, le radius tourne sur l'ulna grâce à cette articulation entre radius et l'ulna, c'est l'articulation entre ulna et proximale. Quand on fait la supination, c'est-à-dire la pente de la main vers le haut, on met en jeu toujours cette articulation entre ulna et proximale, et c'est le pourtour de la tête radiale qui va glisser sur l'incisure radiale de l'ulna au niveau de l'extrémité. De lui. Est-ce que c'est compris? Donc, revenons à la tête lunaire, on dit qu'il était présent le fond, cupule, fovea, le pourtour, qui répond à l'incisure radiale de l'ulna, et il présente aussi, donc là c'est le fond, là c'est le pourtour, et cette zone, on va dire aiguisée ou périphérique du pourtour, c'est une zone qui est biseautée, aiguisée, elle est rondue pointue. Biseauté, on va donc l'appeler le biseau, avec le AU. Il répond à quoi, ce biseau de la tête radiale? Il va s'incruster entre le condyle et le capitalum. Donc il répond à la zone capitalo-trochléaire ou zone conoïde dans le mouvement de flexion et d'extension. Donc au niveau de la tête radiale, trois éléments à retenir. La fovea cupule radiale, c'est le fond, c'est la face supérieure. Le pourtour de la tête radiale ou circonférence radiale et le biseau de la tête radiale, c'est le bord périphérique de la tête radiale. Juste au-dessous, il y a bien entendu le col du radius et encore plus au-dessous, il y a la tubérosité radiale, encore appelée tubérosité bicipitale. Pourquoi? Parce qu'elle donne l'insertion au muscle du biceps. Le tendon terminal du muscle biceps brachial se termine sur la son entrelant de tuberosité bicipitale. Voilà donc concernant les trois constituants de l'extrémité proximale. Concernant l'extrémité distale, si on l'isole, elle va avoir donc la forme d'une pyramide. Une pyramide quadrangulaire. Une pyramide à quatre parois. Donc, c'est une pyramide à quatre parois dont on a coupé le sommet. Dans les pyramides de Pharaon. Si vous coupez le sommet de la pyramide de Pharaon et vous venez soudé à l'os, ça va vous donner une extrémité distale du radius. Une pyramide quadrangulaire, donc présentant quatre parois, une paroi antérieure, une paroi postérieure, une paroi latérale et une paroi médiale. Elle présente aussi un sommet mais qui est coupé et soudé à l'os, et une base ou
face inférieure. Est-ce que vous suivez? Très bien. Donc, la face antérieure du radius, on l'a utilisé tout à l'heure pour orienter le radius, c'est l'hélice. Et sur cette face, glisse les tendons fléchisseurs et elle donne l'insertion partiellement à un muscle carré-pronateur. La face postérieure n'est pas lisse du tout, elle est plutôt rugueuse et elle présente des gouttières pour le passage de quel tendon? Quels sont les tendons qui passent postérieurement? Les extenseurs. Très bien. Sur la face antérieure, glissent les tendons fléchisseurs. Et sur la face postérieure, au niveau des gouttières, glissent les tendons extenseurs. Maintenant, la face médiale, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une surface articulaire qu'on appelle incisure ulnaire du radius. Tout à l'heure, au niveau de l'ulna, on l'a appelé incisure radiale de l'ulna. Elle répond à la circonférence de la tête radiale qu'on vient de voir. Là, c'est l'inverse, c'est l'incisure ulnaire du radius qui répond à quoi? Elle répond au voisinage du poignet à l'extrémité distale de l'ulna. Plus exactement, à la tête ulnaire. C'est la tête ulnaire qui vient tourner autour ou sur cette incisure radiale ou ulnaire pardon, du radius situé à la face médiale de l'extrémité distale du radius. D'accord? Vous suivez? Très bien. Donc on a parlé de la face antérieure pour le fléchisseur, la face postérieure pour mon extenseur, la face médiale, surface articulaire avec la maintenant la face latérale, regardez, la face latérale de cette extrémité, elle se prolonge avec un processus sous forme d'une bande, c'est le processus styloïde du radius, on l'appelle le processus styloïde du radius. Ce qui est intéressant aussi à retenir par rapport à ce processus, c'est que, si vous l'avez remarqué, il descend plus bas que celui de l'ulna. Quand on va étudier l'ulna, on va dire aussi qu'au niveau de son extrémité distale, il y a un processus qui ressemble aussi à une dent et qu'on va aussi appeler le processus styloïde de l'ulna. Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est que le processus styloïde du radius, il est situé plus bas que le processus styloïde de l'ulna. Et ceci est important parce que quand il y a une fracture au niveau de l'extrémité distale du radius, vous savez, quand on chute, le réflexe veut qu'on se protège en posant la main sur le sol. Et donc c'est la paume de la main qui reçoit le choc. Quand la paume de la main reçoit le choc, parfois on se retrouve avec une fracture de l'extrémité distale du radius. Ce type de fracture porte le nom de protocole. Si vous pouvez ne pas le retenir pour le moment, vous allez l'étudier par la suite, inchallah, avec la pathologie de l'appareil. Mais quand il y a une fracture ici, au niveau de l'extrémité distale du radius, qu'est-ce qui se passe? Cette extrémité distale du radius va basculer vers l'arrière et monter. Elle va basculer vers l'arrière et vers le haut. En basculant vers le haut, le processus styloïde, qui était plus bas situé que celui de l'ulna, il va finalement devenir au même niveau que l'ulna. Donc la ligne partait de la styloïde radiale à la styloïde ulnaire et qui était oblique en bas, en haut et en dedans, ou alors en bas et en dehors, elle va devenir comment? Elle va devenir horizontale parce que les deux processus styloïdes vont devenir au même niveau. On parlera alors d'une horizontalisation de la ligne bistyloïdienne. Ça d'une part. D'autre part, comme cette extrémité va basculer vers l'arrière, il y aura une convexité qui va se dessiner ici. Au niveau de, quand vous allez regarder le dos de la main du patient, vous retrouverez une convexité là, comme un dos, comme le dos de quoi? Comme le dos de fourchette. Une fourchette que vous avez chez vous. Et là, un dos. Et là, une convexité. Ben, ça ressemblera à ça. Et on parlera alors d'une déformation en dos de fourchette. Donc, quand il y a une fracture ici au niveau de l'extrémité distale du radius, on aura deux conséquences. La première, c'est l'horizontalisation de la ligne bistyloïdienne. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que cette extrémité va monter. Et la deuxième conséquence, c'est que cette extrémité va partir vers l'arrière et on aura alors une déformation de notre
médiane, c'est une surface articulaire des nerfs, et la paroi latérale se prolonge par le processus stéloïde qu'on vient d'expliquer. Reste à parler de la face inférieure ou base de la pyramide. Elle est caractérisée par l'existence de deux surfaces articulaires. Quelles sont ces deux surfaces articulaires? Ce sont des surfaces articulaires qui répondent à quoi? Quels sont les os qui sont là? Ce sont les os du cas. Et lesquels précisément? Ils répondent au premier os du cas du côté latéral de la première rangée, c'est le scaphoïde. Et le deuxième, c'est le lunatum. Donc, cette base de la pyramide va répondre à deux os, le scaphoïde latéralement et le lunatum médialement. Elle sera donc constituée de deux surfaces articulaires séparées par une crête médiale antéro-postérieure. D'accord? C'est compris? Voilà, concernant l'extrémité distale et donc concernant l'os en globalité. Et juste un message important à retenir, qui est expliqué sur la vidéo d'ostéologie que vous avez, c'est que la forme globale de l'os, il ne faut pas l'imaginer comme une verticale stricte, mais plutôt comme une manivelle avec deux convexités. Une convexité ici, vers le dedans, dans le sommet, est représentée par la tuberose hémicipitale, c'est la courbure dite supinatrice. Puis une convexité ici vers le nord, où s'insère au niveau de son sommet le muscle rond pronateur, c'est la courbure pronatrice. Je vous invite à revoir la vidéo où les lignes sont tracées pour mieux comprendre. Est-ce que c'est compris concernant le rachis? C'est bon? Voilà, vous avez là, bien entendu, sur le radius ces différents éléments. Je pense que on va quand même un petit peu déborder sur le temps, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez ici les différents éléments. Vous connaissez ici on met la tête lunaire avec son pourtour ici tout autour. Ici on la voit sur le supérieur, vous connaissez la cupule, c'est la fovéa radiale, et là le pourtour est isomatial. L'élément ici en haut, c'est quoi? C'est le col. Très bien, c'est le col du radius. C'est l'élément ici en jaune. La tuberosité latérale, la tuberosité hémicipitale, c'est le sommet de la courbure supinatrice. Bien sûr, là, c'est la diaphyse. Et puis sur l'extrémité distale, vous avez là la face antérieure où vous glissez les tendons. Quel tendon? Fléchisseur sur la face antérieure. Et l'hélice sur la face postérieure, par contre. Et les rugueuse, elle est caractérisée par un tubercule, ici on verra, c'est le tubercule de l'ister de part et d'autre du quai, les glisses, les tendons, extenseurs cette fois, ça c'était la face postérieure de l'extrémité distale, la face latérale,
Et puis, il y a une petite surface articulaire, là, qu'il va regarder vers le nord. Parce qu'il va, elle va répondre au radius. Et donc, si je me place comme ça, est-ce que ça va venir? Non, parce que c'est vrai que la grosse extrémité est vers le haut, c'est vrai que la grande incisure est vers l'avant, mais la surface articulaire, elle est vers le dedans. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut être que inulna, n'est-ce pas, gauche. Donc cet os est inulna, gauche. Ulna, son ancienne dénomination, c'est cubitus. Voilà. Alors, maintenant, concernant sa description, là encore, si on le coupe transversalement, au niveau de sa diaphyse, on va obtenir un triangle. Mais un triangle, là, on le sent bien, regardez vous cette fois. Le sommet du triangle, on va regarder vers où ? Vers le nord, très bien, vers le radius. Il va correspondre au bord interos tranchant. D'accord ? Le bord interos tranchant, donc c'est un ulna gauche, on va donc utiliser ce membre-là. Donc le bord tranchant, c'est celui-là, il regarde vers le radius. Sinon, bon, il n'y a pas de particularité très intéressante au niveau de la diaphyse, si ce n'est les différentes parois. Donc, comme le sommet du triangle sera orienté vers le nord, il va donc présenter quelle face ? Il va présenter quelles sont les différentes faces de l'ulna ? Face antérieure, postérieure et médiane. Très bien. Il n'aura pas de face latérale, bien entendu. Il a plutôt un bord latéral. Bord antéromédial et postéromédial. L'inverse du radius, le contraire du radius. Voilà donc concernant la diaphyse. Concernant les extrémités, qu'est-ce qu'il présente ? On va commencer par l'extrémité proximale. L'extrémité proximale est très simple. Elle présente deux processus. Un processus vertical, le voilà, et un processus horizontal. L'un est soudé à l'autre. Leur soudure sera responsable de la formation d'une grande incisure qui regarde vers l'avant, qui répond dans le mouvement de flexion et expansion à la trochlée humérale. On va donc l'appeler l'incisure trochléenne. Quels sont ces deux processus ? Le processus vertical, c'est l'olecran. Le processus horizontal, c'est le processus coronoïde. Et non pas coracoïde. Coracoïde, c'est la scapula. Là, c'est le processus coronoïde qui est horizontal et le processus olecranien, olecrane, qui est vertical. Les deux sont soudés l'un à l'autre, formant donc l'incisure trochléaire répondant à la trochlée. Toujours au niveau de cette extrémité, il faut retenir l'existence au-dessous, du processus coronoïdien, mais latéralement, d'une surface articulaire qu'on appelle incisure radiale de l'ulna. Toujours au-dessous du processus coronoïdien, mais cette fois-ci vers l'avant, existe une tuberosité qu'on appelle tuberosité ulnaire qui donne insertion au muscle brachialis. D'accord. Donc voilà les différents éléments pour résumer qu'il faut retenir au niveau de l'extrémité proximale. Le processus vertical olecranien, le processus horizontal coronoïdien, formant l'incisure trochléenne. Sous et médialement par rapport au coronoïdien, l'incisure radiale ulna, et sous et en avant du processus coronoïde, la tuberosité ulnaire donnant insertion au muscle brachialis. Un dernier élément à retenir, c'est que sur la face supérieure de l'olecrane, ainsi que sur sa face postérieure, s'insère un muscle important qui constitue à lui seul la roche postérieure du bras, c'est le muscle triceps, qui en tirant sur l'olecrane va assurer l'expansion du coude. On reverra ça, bien entendu, avec la biologie. Voilà donc concernant l'extrémité proximale. Concernant l'extrémité distale du ulna, encore plus simple, elle présente là encore combien d'éléments ? Trois éléments. Une zone rétrécie qui rattache l'extrémité à la
un processus ressemblant à une dent, c'est le processus styloïde de l'ulna qui, comme on l'a expliqué tout à l'heure, est de situation plus haute que le processus styloïde du radius. C'est bon? Voilà donc globalement tout ce qu'on a à retenir de façon réelle concernant l'ulna. Et tous ces éléments, on les voit bien aussi sur l'osque ici isolé sur l'écran. La diaphyse, on a dit que par rapport à des os tranchants, fait que l'os soit triangulaire à trous avec les trois faces qu'on a citées, on a décrit les constituants de l'extrémité proximale. Vous reconnaissez ici le processus vertical pour les crânes, avec cette zone en gris qui est donc l'insertion triceps brachial. Vous reconnaissez là le processus horizontal, le processus chorolouridien, avec son bec ici en vert, l'incisure radiale de l'ulna ici en bleu, répondant au pourtour de la tête radiale. Et la tuberosité ulnaire, tubercule ulnaire ici en vert, pour l'insertion du muscle brachialis. L'extrémité distale présente, elle, un col rétréci entre la diaphyse et l'extrémité distale, la tête de l'ulna ici en bleu, et le processus styloïde en rose. Voilà ce qu'il y a à retenir concernant l'ulna. Cela donc, si vous n'avez pas de questions, nous amène à parler de la main. Et la main, donc, on va retirer tout ce qui est ligament pour ne garder que la main. Et la main, on va l'isoler pour l'étudier, pour ne pas trop tarder concernant la main. Elle est formée de plusieurs os, la main, de plusieurs groupes d'os. Il est formé d'un premier groupe qu'on appelle les os du cadre, puis les métacarpes, puis les phalanges. Le cadre constitue le squelette de quoi? Qu'est-ce qui existe à ce niveau? Le poignet. Très bien. Le cadre, c'est le squelette du poignet. Les métacarpes, c'est le squelette qui correspond à la main proprement dite, c'est-à-dire qui se projette sur la paume de la main. Vous exactement, la paume de la main. Et les phalanges, c'est le squelette des doigts. Très bien. On va commencer par le cas. Le cas est formé de combien d'os? 8 os disposés en deux rangées, une rangée proximale et une rangée distale. Ces os sont comment? Une minute. D'accord. Alors, ces os sont comment? Ces os sont de quel type? Long, plat ou court? Ils sont courts. Et pourquoi courts? Parce que ils répondent à la définition d'un os court. Quelle est la définition d'un os court? Très bien. Largeur égale longueur égale épaisseur. Et là, ça répond bel et bien à cette définition. C'est pour cela qu'on dit que les os du cadre sont des os courts. Et les deux rangées sont les suivants. Alors, en partant de dedans ou de dedans, on va citer les différents ensembles. Le plus latéral, c'est lequel? Scaphoïde. Médialement. Lunatum. Encore plus médialement. Triquetrum. Puis, le pisiforme. Et là, l'erreur à ne pas faire, c'est de croire que le pisiforme est situé médialement par rapport au triquetrum. C'est faux. Le pisiforme est posé sur le triquetrum. Il est situé en avant du triquetrum. D'accord? Voilà la première rangée. La deuxième rangée est faite de quoi? Trapèze, trapézoïde, capitatum et lamatum.